musique, la sculpture, les chansons, les danses ne sont autres que des œuvres d'art. Des œuvres d'art qui nous donnent de fortes sensations, des sensations qui nous font éloigner de nos soucis et de nos problèmes. Bonsoir, chers visionnaires de la grande chaîne de télévision Grand Plateau Télé, et bienvenue dans votre émission culturelle, artistique et de divertissement dénommée Mélodie de Cloto, présentée par Bassa Germain et Saf Son. Et là, nous sommes de retour pour vous donner le meilleur. Et rassurez-vous, rien que le meilleur. Et pour que les choses aillent bien, regardons cette chanson de Dice Music, dont le titre est « Vaclin comme coup de cœur ». Viviti do le nyabe me Afrika wo ke keliare Mawe Mopopo budo mkeke studio sur notre grand chaîne de télévision Grand Plateau Télé, après la chanson de coup de cœur de Dice Brun, dont le titre est Vaclin, qui est une musique qui implore la grâce divine de pouvoir éclairer nos entreprises, de pouvoir éclairer notre vie. Et là, je suis avec mon collègue Safson. Safson, bonsoir. Bonsoir Germain, bonsoir à tous les branchés. Et là, nous faisons face à une séquence dénommée séquence cocasse, une séquence qui fait voir les vidéos qui font rire sur le net. Ce sont des vidéos que nous piquons sur le net pour pouvoir enjailler nos téléspectateurs. Et ceci est présenté par Saf Son. Pour le bonheur et l'humeur de nos téléspectateurs, nous avons prévu deux vidéos. Et la première, c'est un vieux Kotokoli lors d'une fête de sa fille. A voulu danser plus que tous ceux qui sont présents. Et tout de suite, regardez, vous m'en direz plus. Ok, je crois que tu as aussi aimé la vidéo. Ouais, j'ai aimé la vidéo. Ok. C'est une vidéo délirante. Ok, on va aller tout de suite avec
La seconde vidéo, cette fois-ci, c'est un grand artiste, hors pair. Il est au studio, il s'enjaille, il se donne tous ses honneurs, mais il n'est pas sur le beat. Mais il continue de danser jusqu'à il fait dédicace, il t'avait dédicace, on revient. Mama zineba kasi neba oh, wow wow, papa oh, mama oh, utiba oh, aya oh, wow, Ah, je suis international, yeah, le son est trop méchant. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez aimé la séquence cocasse. C'est une petite séquence pour vous enjailler, pour vous faire rire et oublier quelques soucis. L'association Avenir Meilleur organise un événement dénommé Vacances Itul. Mais, Samson, oui? Il paraît que la t-shirt, celui qui a chanté avec ses trous et ils font la tête comme ça. Ah oui, 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 oui. Il paraît que c'est lui le parrain de cet événement. Est-ce que tu as toutes les informations? Non, il n'est pas encore arrivé, mais nous allons appeler le président de cette association pour venir nous éclairer, pour nous donner plus d'informations. Le président de cette association s'appelle Agbo Kofi Di Joujou. Bonjour, monsieur Joujou. Bonjour, monsieur Germain. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Et vous? Comment vont les deux structures? Non, sinon, ça va bien, j'ai aimé. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette belle occasion que vous m'avez apporté cet après-midi de partager le plateau ensemble avec vous. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Vu que vous avez honoré à notre invitation, donc ça, le plaisir partagé. Donc je vous présente Samson, qui est mon collègue. Soyez bienvenus. Merci. J'espère que vous êtes arrivés avec beaucoup de choses que nous allons apprendre à la fin. Bien sûr, monsieur Samson. Merci. Bon, le pourquoi nous avons invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'événement que crée votre association Avenir Meilleur. D'abord, comment est-ce que se crée votre association? Merci, monsieur Germain. Merci. Et, au fait, notre association est venue de mon initiative parce que bon, j'ai souvent pensé aux enfants, puisqu'ils sont la relève de demain. Et j'ai traversé des situations et dans lesquelles je vois les enfants aujourd'hui. Et donc voilà, c'est mon idée d'apporter mon soutien à ces enfants et dans le cadre de la scolarité et tout. Donc voilà, c'est comme ça. L'idée est venue de créer l'association Avenir Meilleur. Ok, c'est gentil. C'est gentil d'avoir pensé aux orphelins, aux enfants déscolarisés, c'est gentil. Je pense que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Il faut être d'abord quelqu'un de bon cœur, bien sûr. Parce que c'est le fardeau que vous portez sur vous. Bien sûr. Et là, je tiens ici sur ce plateau qu'on acclame cette initiative. Ah bon, déjà, déjà une question. Merci, monsieur Juzou. Je voulais tout juste savoir, ça fait combien d'années déjà l'association est sur le terrain? Bon, l'association existe maintenant, ça fait déjà 4 ans, je veux dire. Ok. 4 ans. Ok. Merci. Bon, l'association existe déjà, ça fait 4 ans. Comment est-ce que vous arrivez à jongler les choses pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants que vous avez en votre charge? Bon, déjà on a commencé avec nos propres moyens. Et vu qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés et à ce que nous faisons. Et ils sont là aussi pour apporter aussi leur soutien. Et pourquoi pas nous donner des cahiers, des bics et tout pour soutenir ces enfants dans leur parcours scolaire. D'accord. Oui. Et nous acclamons aussi toutes ces personnes qui contribuent à l'épanouissement de ces jeunes désœuvrés, de ces enfants
dépourvus d'aide. Nous vous remercions sincèrement. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, la raison de votre présence ici, c'est de nous parler de l'événement Vacances Itule. Comment est-ce que naît l'idée de Vacances Itule? Bon, déjà moi-même, je suis un artiste, musicien et percussionniste à la fois. Donc, je suis animateur culturel aussi. Wow. Donc, ce que je fais, j'ai envie de partager aussi dans mon entourage. Et vu que je dis toujours, je dis encore ça, que les enfants, ils sont la relève de demain. Et vu que la culture et l'éducation sont l'identité d'un peuple, donc on a vraiment pensé transmettre ça déjà à l'avenir pour que nous puissions avoir un avenir meilleur dans les jours à venir. D'accord, c'est bien. Et déjà, quels sont les objectifs ou bien le but principal de cette initiative, de ce concept Avenir Meilleur? Je vais dire, les enfants que nous avons pu récupérer, je vais dire, dans l'association, vu qu'ils ont des talents innés aussi, ouais. Donc ce talent-là est caché en eux. Donc nous sommes là pour leur aider de aussi faire valoir leurs talents. Pourquoi pas voyager avec eux à travers nos initiatives comme la danse et la culture. Donc je vais dire c'est en fait ça l'objectif. Et ils ont besoin aussi d'aller à l'école pour être instruits, pour vraiment être des experts en art de vivre aussi. Ok, c'est très bien. Je pense que Samson a quelque chose à vous demander. Ok, disons que vous avez invité l'artiste, il est le parrain, l'artiste Chats. Bon, il va venir pour un concert, oui. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi avoir allé jusqu'à Lomé? Il y a des artistes à Kwadime aussi qui peuvent aussi faire ça. Pourquoi aller jusqu'à Lomé, Chats? C'est ma question. Bon, en fait, pour un peu plus d'éclaircissement sur ça, bon, je vais dire l'artiste Chats, je dirais c'est un ami, parce que le studio dans lequel il travaille, Rotisun, c'est chez moi. Okay. C'est un cousin qui a le studio. Donc je vais dire c'est lui le promoteur de Chat. Donc il nous suit dans nos activités avec les enfants. Donc la première édition qu'on a fait tout récemment, il a dit non, ce qu'on nous sommes en train de faire, c'est une bonne chose. Donc ils sont là pour nous soutenir aussi. Bon voilà, Chat lui aussi l'a dit, il est là pour nous soutenir cette année. Et il a décidé de parrainer l'événement pour cette année. Et moi, je trouve que votre initiative, c'est une belle initiative. Et d'ailleurs, c'est une initiative qui a été instaurée pour pouvoir égayer les enfants que vous avez à votre disposition pour leur donner la joie pendant ces vacances. Vu que la rentrée aussi s'approche, donc ils vont essayer de s'éclater un peu. Bon, ce qui m'inquiète un peu par rapport aux parrains, ici dans le Grand Cloto, pourquoi ne pas associer un artiste? C'est pas forcément quelqu'un qui chante, hein. Peut-être un peintre, quelqu'un qui fait la sculpture. Oui. Pourquoi ne pas l'associer à ce parrainage? Juste pour faire promouvoir les œuvres du terroir, de notre communauté ici. Oui. Bon, merci beaucoup. Je vais dire, Chad, il est venu récemment à Palimé, ça fait quelques 5 jours. Il a beaucoup aimé l'accueil que lui a réservé la population de Palimé. Et il a pensé aussi vraiment à organiser quelque chose ici, de boom. Et vu qu'il y a plein d'artistes, donc déjà pour cet événement, on a déjà fait appel à Sato, les jeunes qui font le cirque à Palimé. Et le groupe culturel Unity, Assis la Cime aussi, est présent. Et en plus d'autres groupes traditionnels qui seront là le jour-là. Donc Chad, lui, déjà, il pense vraiment à faire quelque chose avec des artistes ici. Donc pour une troisième édition, je pense qu'il va faire appel à plein d'artistes. Okay. Là, ça devient très intéressant. Chad planifie faire quelque chose avec des artistes. Je pense que déjà lui c'est une étoile de la musique togolaise. Bien sûr. Un featuring avec quelques braves chanteurs ici, oui.
ça va aussi, ça peut permettre aussi de les propulser vers un sommet. Oui, bien sûr. Dans le domaine musical. Bien sûr. Donc là, je suis ravi. Et maintenant, vous allez nous donner la date à laquelle se fera l'événement, le lieu et l'heure. Ok, bon, l'événement aura lieu le 17 septembre dans l'enceinte Africa Bar, Carrefour Kpegolun. Donc tout le monde qui arrive à Kpegolun devant Africa Bar, c'est pas encore loin du Carrefour, on va le situer. Et déjà à 15h, l'événement commence. Et à 18h, on clôture. Comme ce sont les enfants et tout, on va pas les prendre. Et... ouais, c'est ça. Si ouais. Quelqu'un cherche à vous contacter, ou bien vous avez aussi les tickets que vous vendez par rapport à l'événement? Non, on n'a pas les tickets. L'entrée est libre et gratuite. Et parce que pourquoi on a fait ça comme ça? Et comme nous sommes à la deuxième édition, et l'objectif fondamental même, ce n'est pas de faire du sou, mais de venir voir et ce que les enfants ont en eux comme talent. Et que tout le monde sache qu'il a un talent inné à lui, qu'il peut mieux faire aussi plus que ses enfants. Le 10 septembre. Le 10 septembre. Donc l'entrée est libre et gratuite. Contact. Et 93 90 33 86. Oui. Qui sera affiché tout de suite. Ok. Chers amis, communauté de Kloto, l'événement est gratuit. Je pense que nous y serons là-bas pour nous divertir. Nous avons longtemps travaillé. Nous avons grouillé dans les rues et tout. Donc c'est le moment de se divertir pour pouvoir soutenir toutes les initiatives que les jeunes mènent dans notre communauté, le Grand Kloto. Tous ensemble pour l'élévation du Grand Kloto. Merci Joujou. Merci d'avoir fait un tour sur notre chaîne de télévision. Et quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? Je tiens à remercier tous les membres de ce plateau, Kloto TV, de me permettre d'être présent ce soir, ou bien cet après-midi sur le plateau, et à parler un peu de notre association. Et ce jour-là, les enfants vont s'explorer. Donc j'invite toute la population de Palimé à venir voir ce que les enfants font, comme le sketch, les théâtres, et les danses traditionnelles de la localité. Et il y aura un groupe de bobobo aussi qui va mimer la place et tout. Donc j'invite toute la population à être présent. Je vous remercie, tonton Germain. Non, je ne vais pas vous laisser partir. Ah. Il y a une petite séquence que nous avons dénommée séquence challenge. Oui. Qui consiste à diffuser deux morceaux des artistes togolais. Et là, on vote. La population vote en commentaire. Oui. Donc, je vais vous présenter deux chansons et vous allez choisir la vôtre. Ok. La première chanson, c'est Kiko. Le titre, c'est Aimer. Mm-hmm. Et la seconde chanson, c'est My Flame. La chanson de My Flame, oui, dont le titre est Léger. Là, plus à faire confiance.
Ta vision de l'amour s'arrête à cette mauvaise expérience. Je ne suis pas comme tu penses. Je ne vais pas te laisser tomber. Oh ma chérie, donne-moi une chance. Je veux juste te prouver que tous les hommes sont pas pareils. Il y en a qui pourraient te traiter mieux. Arrête de comparer. Ce n'est pas comme ça que tu iras mieux. Je sais qu'on t'a blessé et qu'on a détruit. Santorimo Coco, skin time, no pain, no gain. Pamo by entertainment, Acquista C boy, Spammy boy, ease up, yo. Obe mi le tatone le to aji paswe bien mon le gomme na mi le je. Ayo diplomatique mi le jila du wa geze be nyan lo me jo le kwese. Mi le yoman oube numero bene ton ami va e le occupe. Mon le kwa be mi nyan me nyan va chikone lo mebe nyan va kwe so sa le veje. Ho na mi mi be mi loncha le ma doze na mi. Mi di go ame kudo wichi vichi de kwa bi yoma ha mu glisse bene ton anui. Yeah, fuck da respect album ne banana mi ya an espèce. Boto ne kwa me ton ambe mon balé du moutonne. Fuck you my ex wife. Amenyo mi le leja, fanyo de mi le leja. Ela yima mi le leja, mi le info mi le leja. Mi non leje, 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 leje. Là ce sont les deux chansons challenge qui viennent de passer. Et je pense que ce sont des artistes que vous connaissez très bien. Bien sûr. Ce sont des artistes qui font la fierté de notre nation. Et là je vous demande de voter humblement entre Kiko, dont le titre est Aimé, et My Flame, dont le titre est Léger, le président du rap game. Qui est-ce que vous choisissez? Pas à la personne, à la chanson aussi. Bien sûr, bien sûr. Ok, je vote pour... C'est Kiko, non? Kiko, Aimé. Ouais, je vote pour Kiko. Le jeune, bien jeune son, talentueux. Son instrumental. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est bien. Kiko, big up. De loin, de loin, de loin. Big up de loin. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, pas de l'émission, oui, mais de notre entretien. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour vous accompagner? Bon, là, je remercie et Monsieur Germain. Merci aussi. Et Monsieur Sapson. Merci. Pour la partie de cet après-midi, j'ai beaucoup aimé. Et bon, voilà. Et on se dit à la prochaine. Je pense que Sapson a quelque chose à dire pour vous accompagner. Ouais, pour mieux vous raccompagner, et surtout avec Shad, on propose ce clip vidéo, c'est trop fit, Shad, so bless. Homeless, ce n'est que toi qu'on met haut. Donc à peine à mouler, haré, meillé. Game les doigts, affiqué, mille haut. Game les roses, affiqué, mille haut. Game les rotonnés, à nuéria. Ma ou ton ami, m'dapé. Longo, longo, mi on va y'a. Eh bien, elle est payée. L'autre doigt, clopé, y'a pas nounia. L'autre doigt, on l'a récolté. I'm so blessed, I'm so blessed. Y'en bali si besoin, I'm so blessed. I'm so blessed, I'm so blessed. Ma so golisa, I'm so blessed. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, yeah, yeah. I'm so blessed, yeah, 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 yeah. O son de beyawa, o son de beyawa. When you're there, o son de beyawa. O son de beyawa, o dora when you're there. Pa koropa, c'est trop bava. Alors pa, bless and peace. Whisky à l'éveil, non mais les n'inspire. Yo, président de blanc, nom les tonye. Mais togo, mes musiques à venir la lagne. Mais nous quand nous go, le blanc, les connes. Mais maou, maou, les pommes, que l'eau. Yombe Mister Rambo, Yombe Mister
de retour dans notre fameux studio et dans notre émission. Une émission de divertissement culturel et qui crée des petites polémiques. Ici, mes invités sont des rois. Donc, avant, l'invité était à ma place. Je viens récupérer ma place, ou bien ? Oui, c'est ça. Ok. Deuxième invité. Nous avons un lion dans la jungle, le roi de la forêt. Quand il rugit, tous les animaux se cachent. Linko, le lion, est dans notre studio. Pour ceux qui ne connaissent pas Linko, regardez cette vidéo pour mieux savoir de qui il s'agit. Linko, yes, c'est moi Linko, le lion. I love Balibé. Bingo, bingo, Balibé. I love Balibé. Bingo, bingo, Balibé. I love Balibé. Togo Joe, Balibé, c'est le Togo en miniature. La ville la plus hospitalière. Celui qui ne connaît pas Palimé ne connaît pas l'Afrique. Et Nyamko, c'est la ville de toutes les cultures, de toutes les nationalités. Il y a plein d'étrangers, plein de Yovo à qui nous souhaitons les bienvenus. Assalam alaikum, malekou salam. We are together à Pama. Love Apama, peace and love Apalime. Big up, big up Apalime. I love Apalime. Big up, big up Apalime. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Une ville anti-pollution. Ici on respire l'air pur. On a des sites, on a les fruits en abondance. Sans oublier les avocats d'Agou. Samson, oui. Comme on vient de le dire, oui. Le lion est là. Linko le lion. Linko le lion. Bigo, bigo, Balimé. Big up. Big up, big up, Balibé. Pourquoi le lion? Le lion. Oui. Non, juste parce que mon nom de famille, c'est Adjata. Donc, en hébreu ici, ça sonne une autre, ça a une sonorité de lion. Donc, c'est pour ça que j'ai transformé ça en lion. Bon, en réalité, c'est pas un surnom que j'ai choisi au hasard comme ça, quoi. Ah, mais okay. Mais dans la brousse ou bien dans la forêt, il y a des hippopotames, des éléphants. Je pense que dans le game aussi, il y a... Oui, 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 c'est comme ça dans le game aussi. Il y a toutes sortes d'animaux, des poules, des pommes, des pétales. Ben, même dans la forêt aussi, il y a plusieurs lions. Donc, mais vous avez même si je suis un lion, aussi, je ne suis pas le seul lion. Ah bon, d'accord. Ah. On dit le lion est le roi de la jungle, mais il y a plusieurs lions dans la forêt. Qui est précisément le roi? D'accord. Ah bon. Est-ce qu'il y a plusieurs rois dans la forêt? Merci. Okay. Oui. Chers téléspectateurs, vous avez avec nous Linko le lion. Un artiste pétri de talent, un artiste de Kloto, de Palimé. Et là, je le laisse présenter mieux. Ok, merci beaucoup. Et moi, c'est Linko Lion, comme vous l'entendez. Et mon nom à l'état civil, c'est Adjata Linko. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, et j'ai dit Linko Lion, juste pour être fidèle à mon nom, l'état civil. Bon, je suis à Palimé, je vis longtemps, j'ai grandi ici, j'ai quitté Palimé, mais je suis encore revenu parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et actuellement, je suis artiste musicien
plus ou moins professeur de musique aussi. Et j'ai un petit home studio dans lequel je travaille. Et je travaille aussi à quelques artistes de la localité. Merci. Oh, c'est super. Okay. C'est super, c'est super, c'est super. Merci. Félicitations, merci pour tout ce beau talent que... Pour ce beau travail que vous faites. J'ai déjà assisté à quelques-unes de vos prestations. Ouais. Et j'ai été émerveillé. Oui. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous recevoir dans notre émission Mélodie de Clotho. Ouais. D'abord, j'y vais droit au but. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Et vous savez que la musique, d'abord, c'est un art. Oui. Et vous savez que pour être artiste, il faut d'abord avoir la vocation. Donc, je ne sais pas, je peux dire que j'ai eu cette vocation parce que depuis tout petit, je faisais déjà la musique. Donc, j'ai grandi dans la musique. Au début, je faisais beaucoup plus le rap et par le passé. Mais au fur et à mesure, j'avais un groupe de 5 personnes et on s'est disloqué suite à des soucis d'études. Les gens ont dit leur bac, ils sont partis. Donc, comme j'étais resté seul, je continuais. Je faisais le rap et en même temps, je faisais le refrain. Bon, quelqu'un m'a une fois dit, mais tu chantes bien et tu fais de très belles refrains. Si tu essaies de transformer ça en R&B, ça va donner encore quelque chose de meilleur. Effectivement, quand je l'ai fait, ça a donné. Au fil du temps, j'ai découvert beaucoup plus le reggae pour venir de là. J'ai vu que vraiment le reggae, c'est une musique vraiment qui touche beaucoup mon âme. Et j'ai beaucoup plus adopté le rythme reggae. C'est ce qui a fait qu'actuellement, je peux dire que c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Mais je ne vais pas seulement parler pour ne pas trop parler. J'ai eu aussi à faire beaucoup de formations. J'ai appris la musique, la théorie musicale. J'ai eu enseigné plein de choses. Et c'est sur cette base de musique-là que je suis en train de marcher pour faire ma carrière. Merci. Wow, c'est super. Tu as déjà écouté parler de Samson Afobukozo? Je le connais très bien. Samson. Oui, c'est un artiste. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la peau de l'artiste, mais je suis dans la peau de l'animateur. Oui. Ok, et ma question est celle-ci. La première fois que tu es rentré en studio, c'était comment? Et studio d'enregistrement. Oui. Pour le premier son. Je me rappelle, c'était un ami qui avait le studio. Et ça me donne vraiment beaucoup de souvenirs. On avait des chansons, mais il n'y avait pas de studio. Les quelques rares studios n'étaient même pas faciles d'accès parce que les moyens financiers pour accéder à ce genre de studio aussi, c'était vraiment dur pour nous. Mais il y avait un ami qui avait créé un home studio. J'étais parti, il m'a fait le prix. J'ai pris des semaines pour économiser cet argent dans un premier temps. Et lorsque je suis allé, on a constitué l'instrumental. Et j'avoue que c'était pas facile. Le morceau que j'ai pris le temps de bien répéter chez moi à la maison, je rentre en studio, je rate seulement les phrases à plusieurs reprises. Il a fallu que je fasse d'abord une pause et je retourne un peu et puis je reviens. C'est là où bon, petit à petit j'ai commencé par bien enregistrer et l'habitude est venue, puis ça va mieux. C'est devenu seconde nature. Ok, super. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans l'émission Mélodie de Clotho avec notre cher invité, Linko le Lion. Yes, I am. Et en quelle année vous avez commencé exactement la musique? Ça fait banalement combien d'années? Bon, je peux compter à partir de 2012 à 2021, ça fait déjà combien d'années? Je ne suis pas très bon en calcul. Je pense que ça fait déjà 9 ans. 9 ans, ça devait faire plus que ça. Mais en 2012, c'est là où je suis vraiment rentré même dans la musique. Okay. Et c'est là où j'ai eu des professeurs qui ont vraiment essayé de me décortiquer ce que c'est vraiment la musique. C'est là où même j'ai commencé par prendre des cours d'exercice de voix et ses consorts. Et c'est dans l'année là même que j'ai créé ma bande. Vous venez de dire tout à l'heure que vous m'avez déjà suivi en live. J'ai une bande, Samurai Music Band. C'est l'année là que j'ai créé et le Samurai Music Band. Et on bosse aussi en live. Okay. Est-ce que, bon, dis-moi, la musique actuellement, ça te nourrit? Non, pas du tout. Et la musique actuellement, ça ne me nourrit pas, en tout cas moi pas. Mais on le fait parce que c'est comme une vocation et c'est quelque chose, on ne peut pas s'en passer.
mais le vrai artiste, c'est celui-là qui travaille son art, même s'il ne gagne rien, il éprouve chaque jour du plaisir à le faire. Et vous savez qu'au Togo, je le dis souvent, et un artiste togolais, c'est vraiment à applaudir. Parce que être artiste au Togo, c'est impossible, c'est un truc impossible, je vais le dire comme ça. Mais quelqu'un qui arrive à être artiste au Togo, là, il faut vraiment l'applaudir. Peu importe qu'il soit reconnu sur le plan international, national ou quoi, mais être artiste là, c'est vraiment quelqu'un. Si tu es un artiste togolais, c'est vraiment à applaudir. Donc moi, ça et la musique ne me nourrit pas. Et quelquefois, on me fait des appels pour venir. Bon, des gens me sollicitent pour faire des prestations, des gens qui veulent faire des surprises à leurs femmes, des gens qui veulent faire offrir une bague de fiançailles. Bon, ouais. Je viens, on fait les trucs, j'improvise, je crée, on fait des surprises à la dame, des cérémonies de libération. Bon, ça, c'est côté orchestre. Bon, ce n'est que des miettes. La personne va te dire, bon, vous venez me le faire, mais j'ai pas d'argent. Venez, au moins, je vais vous déplacer. Au moins, vous allez manger. Au moins, vous allez boire. Au moins. C'est de ça que nous vivons. Donc, je ne peux pas dire actuellement que la musique, vraiment, ça me nourrit. Ici. Ben moi, je veux plaider votre cause. Oui. Les gens qui appellent les animateurs, les artistes pour venir presser gratuitement là, pardonnez. Mm. C'est de ça qu'ils vivent. Voilà. Donc il faut revoir dans ça. Nous tirons petit à petit vers la fin. Oui. Mais on voulait savoir seulement quelle est ton actualité actuellement. Actualité. Qu'est-ce que tu caches? Tout. Bon, il n'y a pas grand chose, surtout vous savez que le Covid qui est arrivé a chamboulé un tas de choses, surtout nous certains artistes, on est resté, on se demande exactement qu'est-ce qu'on va faire, mais quand même il y a toujours un moyen pour s'en sortir. Bon, actuellement je suis en train de préparer un album, wow. Et un album que je vais sortir bientôt. Et la semaine prochaine, même, je vais commencer certains clips vidéo. Et bon, vu que par le passé, j'avais un studio bon, plus ou moins équipé. Maintenant que j'ai un studio maintenant plus sophistiqué avec de matériel encore plus performant, et je suis en train de retravailler certains sons. Bon, et les téléspectateurs ont suivi déjà quelques de mes morceaux. Bon, et je leur promets que je suis en train de les retravailler encore pour que ça soit encore plus meilleur. Parce que nous l'avons fait, mais avec des erreurs, par manque de moyens. Okay. Voilà. Donc je suis en train de refaire tout ça. Bon, sinon pour l'instant, et c'est ce que je peux dire que je suis en train de préparer. Vous êtes dans l'autoproduction ou bien il y a quelqu'un qui vous produit? Non, je suis dans l'autoproduction. Il fut un moment, j'avais eu aussi un manager. Et il était mon manager, mais il a carrément même joué le rôle d'un producteur pour moi. Et mais on a traversé banalement 2 ans. Bon, il a dû quitter le pays parce que, bon... Ça ne va pas. Oui, ça ne va, ça ne, vraiment, c'est ça pas très rentable ici au pays. Et il a quitté. Okay. Bon, à part ça, bon, je suis dans l'autoproduction. Comment est-ce que nous pouvons faire pour vous retrouver? Par exemple, aujourd'hui, nous avons de divers canaux sur lesquels nous retrouvons les artistes facilement. Oui. Et vous, les pages Facebook, Insta... Peut-être il y a des fanatiques, ou bien à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui vous a vu décide de devenir votre fan. Mm-hmm. Et comment est-ce qu'il peut vous retrouver? Des contacts. Et sur le Move, c'est le 98 24 89 24. Et sur le Togocel, le 91 20 36 19. Bon, et sur le Facebook, vous tapez Adjata Lenko et puis vous ferez mon... Adjata Lenko. Voilà. Sur Facebook, Adjata Lenko. Adjata Lenko. Vu que vous avez un studio bien sophistiqué, je pense que ça peut être aussi une occasion aux jeunes qui ont envie de faire la musique, de pouvoir venir se faire enregistrer chez vous. Oui. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas assez cher. Oui, non, les artistes peuvent le témoigner. Mais, bon, quand il s'agit de la qualité, il faut un prix normal. Oui, voilà. Bon, parce que généralement, j'ai souvent fait des chansons à des amis, à des prix impossibles même, je dirais. Parce que à chaque fois qu'un artiste vient chez moi, je me rappelle ce que moi aussi j'ai traversé. Parce qu'il fut un temps aussi, moi aussi j'avais des morceaux, mais je n'avais pas un seul franc pour rentrer à studio.
au moins quand l'artiste vient se plaindre, je me rappelle ce que moi aussi j'ai vécu. Bon, et par cette compassion, bon, on gère ça entre nous. Ok. Voilà. Okay. Ça doit payer l'électricité. Voilà. Okay. Merci. Et là, beaucoup. Merci. Mm. Je pense que vous avez une guitare avec nous, parce que nous tendons vers la fin de notre émission, oui, et de notre entretien avec vous aussi. Mm-hmm. Donc, on peut couvrir la douleur. Donc, ok, et je vais faire l'exclusivité. Je parlais d'un clip vidéo que je vais tourner, oui, et la prochaine fois. Donc, je vais faire l'exclusivité à tous les téléspectateurs. Ok. Le bac. Pas de problème. Je vais faire le bac. Il n'y a pas de problème. Le produit fini n'est pas encore sorti. Okay. Donc, Lenko, ce fut vraiment un grand plaisir. Merci. Avec cette musique remplie d'émotions. Remplie d'émotions. Je pense qu'à travers cette chanson, beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Ça, c'est vrai. Le Hustler. Beaucoup de hustlers. Voilà. Malheureusement, notre communauté a 90% de hustlers. Donc, beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette chanson. Oui. Et force à toi, merci. Courage. Merci. Je pense que tu es un croyant. Que Dieu soit devant, derrière, à gauche et à droite. Amen. Dans toutes tes entreprises. Amen. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Ok. À la prochaine. À la prochaine. Vraiment, Maui Ramne Masunade, c'est le futur projet de Lenko le Lion, notre invité spécial dans cette émission Mélodie de Cloto. Et nous tendons vers la fin de notre fameuse émission. Et là, nous sommes face à la séquence découverte. Samson. Oui. Quelle découverte à l'heure? Un fort. Un bagoule. Ouais, parce que si on est pas les mains, on va pas me les couilles. Un carré de Dieu, on va la prendre à couilles. Mais là, bon, mais un mec qui met de quoi? Découverte.
Eh bien, quand je dis, on aime combien Avicii Elisa. Donc, à 8 ans, étant batterie pour l'église, c'est-à-dire que elle est groupe musical, mais elle est. Donc, caca, elle va des chiens, donc, le talent, elle l'amène. Donc, musique à Nabena est trop El Primos. El Primos. Ouais. Le pseudonyme. Et ouais. Et ben nom d'artiste, ouais. El Primos. Puis bien, elle lancé. Et ben son tout bon en 2007. 2007. Ouais, 2007 elle lancé ben son tout bon et intitulé son à ben connu Hanté. Hanté. Ouais. Voilà. Son en an de beau. Voilà quoi. Son en an de beau. Et bien, 2008 à et ben ma tassi bedo. 2008 a étant lancé à Desuagé. À Desuagé. Donc, il y a eu à Talakuna, à Desbayo. À Talakua, bon, il pouvait avoir une possibilité que les dieux. Et quand on a eu promotion, on a eu une difficulté. Et nous, nous sommes pas bons. Donc, il y a eu à lancé au match de Cadet. Na Claudia, donc Claudia Antonia. Eh bien, l'école est attachée tellement dédicace au match de Nen. Ok. Ousso, comme elle l'a voit dit, elle est Jack Bagba, elle est de 2020-2021, elle est une maison de production de KLM. KLM. Voilà. Puis à KLM, elle est préparée son en mettre. Pourquoi station Wandoa? Si vous voulez pour dire station Wandoa. Et moi, je fais face à la station Wando le gauche. Je suis tout droit. 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 Je suis tout maçonnerie, électricité, secteur. Donc, il est nivé. KLM est nivé. Nivé, mais ok. Donc, avec KLM, il y a un son en béton. Tout le monde est baby boom. Baby boom. Et Ajoy américain. Et Begoani. Aka menou lagnon. Il y a des surprises que nous avons préparées actuellement à Dadé. Parce que il y a explosé. Parce que mille doubles là. Titre ni à vous. À vous. Benimim de son fort. Et yo. Va comme il découverte à Modola Nyabena, à Mekami Agnew. Et yo. Au revoir. À Modola Nyan, et le préféré. Et bien, ok. Qu'on avait découverte. Mais nous avons freestyle de Canam. Découvrons son freestyle. Le freestyle El Primos. Y'a y'a va. Yeah. Oh non, non, non. Aïe. Aïe. Dis yo boy, El Prim. La routine c'est tic-tac. Top chrono y'a plus le temps. Sur l'objectif, vu qu'on sait, puis on ralentit. Mais pas question d'en finir là. Nous qui intimis les diables, gardez toujours la tête haute et non plutôt baisser les bras. Sois pas souvent maladroit, faut que tu sois courtois. La vie nous réserve des surprises, amis, qu'on soit courtois. Cesse pas trop en vouloir, cesse plutôt à promouvoir. Et c'est en forgeant qu'on devient forger en digne de ce nom. Hey, yam yam so djidibé. Et tu gagnes, y'a ma de quoi voler. T'allais nous so palimé. Enti miyomi so wina we Chale nyam so chijipe Enti jamenye mativa kwa vode E chale mso palime Enti miyomi so wina we Wina we, chale wina we Wina we, wina we Wina we, wina we On a emprunté le chemin des vainqueurs Wina we, wina we, chale wina we Donc, à mon côté, quand vous avez contacté avec Facebook, El Primos officiel. El Primos official. Ouais, alors Instagram, El Primos. YouTube, This is your boy,
El Primos. Une qui est découverte à Namie Gbewa. Ok. Découverte à l'équipe Georgina Midwa. Nkaibela Georgina. Nkaibela Georgina, téléspectateur au champ. Et oui, voilà, nous sommes à la fin de notre émission. L'émission culturelle, l'émission de divertissement, l'émission qui vous enjaille, l'émission qui vous permet d'oublier vos soucis. Un tout petit point, hein? Parce que les soucis nous retrouvent toujours. Ouais, Samson, qu'est-ce que tu as à dire, ton mot de fin pour cette fameuse émission? Oui, Germain, ce fut un plaisir de partager toutes ces informations avec nos téléspectateurs. Je crois que on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la prochaine. Ah ouais. Nyato, akpenamilo, nyagadogoke.